Bonjour à tous. Une petite vidéo pour vous montrer mes vélos. Le vélo que vous voyez là actuellement, il doit avoir 35 ans. Donc c'est un vélo, c'est mon premier vélo. C'est un vélo de travail. Donc j'ai démonté les garde-boue des deux côtés. Et j'ai fait rajouter une petite cassette, donc la cassette, c'est la partie avec les pignons là. J'ai racheté donc des roues pas chères. Donc c'est un vélo qui m'a pas coûté cher celui-là. Par contre, je vous dis, il a bien 35 ans. Et là, ce qu'on voit là, je ne sais pas si vous voyez, c'est un numéro de téléphone à 6 chiffres. Donc ça prouve bien que le vélo est vieux. Donc à l'origine c'était un demi-course Peugeot. Vous allez dire, tiens, pourquoi qu'il a démonté une roue? Ben la roue c'est simplement parce que c'est pour le stocker dans ma cabane là-bas, parce que j'ai pas beaucoup de place. Donc voilà un petit peu pour ce vélo. Mais bon, ce vélo a quand même fait des kilomètres, hein. J'ai que monté des côtes, je crois que j'ai même monté le col du Dupeuté avec. Donc voilà. Par contre ici là, en démontant une pédale, j'ai abîmé le pas de vis en le vissant, donc au niveau de la pédale. Ben c'est foutu, donc je recherche donc ce système pour revenir à l'origine. Bon, j'ai quand même fait des kilomètres avec. Donc la godoline elle a un peu usé, mais bon, parfois. Le vélo là, il a été stocké pendant un moment. Ah oui, pour revenir donc à la pédale, la partie droite que vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez bien, s'appelle une manivelle. Et au niveau de la manivelle, ici là, on a un pas de vis d'où vient se fixer la pédale. Et moi, comme un imbécile, je l'ai vissé de travers. Donc voilà la première vidéo pour mon premier vélo. Donc je rappelle, c'est un vélo qui a 35 ans, peut-être un peu plus. Donc je remontre le numéro de téléphone à 6 chiffres. Donc là, pour essayer de téléphoner à ce numéro, il faut sauver le bonheur. Bon ben voilà pour l'instant, pour le premier vélo. Je vais vous montrer donc le deuxième vélo, maintenant le vélo de base, que j'ai. Je vous dis à la prochaine vidéo.